Par contre, ce qui arrive quand même, et nous on arrive à en percevoir les droits exclusifs, parce qu'on perçoit aussi, c'est quand des spectacles, notamment le spectacle vivant, utilisent des enregistrements. Je donne un exemple, une compagnie de danse va, pour son spectacle, utiliser de la musique enregistrée. Et là, elle va nous verser des droits pour les artistes de ces enregistrements. Ça, on peut facilement les reverser. Mais pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, heureusement, les autres droits dont on va parler après ne sont pas transférables. Mais celui-là, par contre, il est compliqué à conserver. J'en profite pour faire un petit détour sur la feuille de présence que vous connaissez tous. Alors, cette feuille de présence, elle